Il n'était que 6 heures du matin. Six petites premières heures d'une journée durant laquelle un enfant se lève pour découvrir l'aurore d'un jour sans lendemain. Et pourtant, qui aurait pu imaginer alors que la folie des hommes serait court-circuitée par une pauvre pile de bandes dessinées posée dans la chambre d'un petit gamin apeuré. Ta vie ne saura être autre chose qu'une fabuleuse bande dessinée dans laquelle tu seras dès à présent l'unique maître de ta destinée. Les enfants de Phylactère, le premier roman jeunesse illustré de Robert Avillan. Retrouvez aussi les autres romans de Robert Avillan. Les mémoires d'une carpe. Un roman noir psychologique. Le fabuleux destin d'un cahier d'écolier. Un roman historique sentimental. Ainsi soit-elle. Un thriller érotique. La trilogie, intitulée Solal, l'éternelle dissonance. Tome 1, rencontre. Tome 2, la méduse. Tome 3, Révélation. Une trilogie romanesque d'aventure et d'anticipation. 187. Un conte épique et fantastique. Le journal de Charlie. Un roman sentimental, humoristique et girly. Le chevalier des trois petits points au pays des tropes. Un essai littéraire romanesque. Réplique. Un thriller fantastique. J'ai essayé d'être normal, ce fut la pire demi-journée de ma vie. Un roman noir, ésotérique. Robert Avillan vous remercie de votre fidélité et pour l'accueil que vous avez réservé à chacun de ses romans.